exécutée chaque lundi matin avant toute activité, que ce soit en milieu scolaire et dans les administrations, quelle que soit son stature, avec tout le respect dont bénéficie la cérémonie des couleurs du drapeau national au Bénin l'Est. Nous sommes au cours primaire et le secondaire au temps du PRPB. J'avoue sincèrement qu'au moment où nous étions au primaire, l'île nationale était, la cérémonie des couleurs était une chose sacrée et que dans toutes les écoles, dans notre école surtout, et les lundis et les vendredis, soit le lundi matin, le vendredi soir, eh bien, l'hymne national, quand il a l'heure sonne d'aller au mât, sincèrement, c'est toute l'école qui est là, tout le monde est là, garde à vous, repos, garde à vous, impeccablement exécuté, avec l'hymne national qui est exécuté, avec tout ce qu'il y a de beau. Chadi a son appel. Une chanson qui incarnait le Bénin d'antan à travers les mots et expressions dont dégageait cette valeur emblématique qui malheureusement est en train de s'effondrer par un constat criard du moins de considération accordée ces derniers temps où à peine quelques établissements scolaires essaient de se sacrifier à la tradition contrairement aux administrations où le mépris est consommé à 90%. En notre temps, quand nous fréquentions, quand on est au drapeau, pour le cérémonial des couleurs, tout le monde s'arrête. Le maître de semaine arrête les passants. Et on finit le cérémonial avant qu'ils ne commencent leur chemin. Un texte inspiré par certains patriotes béninois qui se sont donnés à cette collection d'idées, d'interprétations et de mélodies qui vient achever cette belle chanson de l'hymne national. Aujourd'hui, on s'intéresse de savoir qui sont ces fils qui ont pu éterniser ce précieux don juste après l'indépendance du 1er août 1960. Jean Pléa et M. Marcelin Gaba. Oui, on a déjà dit Jean Pléa et M. Marcelin Gaba, mais avant tout, tout le monde chantait le nouvel, c'est l'abbé Gilbert Dayon. Et c'est lui qui a fait rentrer le son musical donc dans la chanson. Mais il s'est aidé par l'écrivain Jean Pléa et M. Gaba. Quel travail louable accompli par ce trio invincible et à qui nous donnons toute une satisfaction incomparable, malheureusement qui ne sont plus de ce monde. Que leur âme se repose en paix. Une valeur qui, au jour d'aujourd'hui, s'isole de sa ligne de départ connue depuis la période révolutionnaire, avec tant de piété. Ici, chez nous, nous essayons de mettre l'accent sur ce que représente l'hymne national. Et quand nous nous référons d'abord au drapeau, les trois couleurs, il y a le vert qui est l'espoir, le jaune qui est le présage d'un riche trésor, et le rouge qui est le sang versé par nos aïeux, sinon le courage. Une pure réalité qui nous amène à retracer à quoi vaut cette obligation. Est-ce juste une simple formalité à remplir chaque lundi matin et vendredi soir comme prévu dans le règlement intérieur de chaque organisme sur la terre béninoise? Il est normal que, béninois que nous sommes, nous soyons conscients de ce que représente l'homme l'hymne national aujourd'hui. Les écoles sont les lieux où l'hymne national est exécuté, est appris à tous les élèves. C'est le lieu de pérennisation de cette tradition. Il faut que l'État reprenne la chose en main, l'impose. Avant de donner une autorisation à une école, ça ne fait pas des engagements. On doit exécuter l'île nationale, faire exécuter l'île nationale tous les lundis et les vendredis soir et contrôler. La balle est enfin désormais dans le camp des autorités politico-administratives. S'ils veulent honnêtement donner une image sentimentale à ce pays, à travers le monde entier.